Là, on monte en voiture. Reportage. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour la deuxième partie de ce troisième épisode de la saga Citroën. Dans la première partie de cet épisode, nous avons parlé des Rosalie 8, 10 et 15 chevaux. Nous avons fait la distinction entre les 8 petites Rosalie, les 10 légères, les 10 normales et enfin les 6 cylindres, les 15 légères et les 15 normales. Aujourd'hui, toujours grâce au double chevronné Eric Godefroy, nous allons parler de sa propre voiture. De base, c'est une Rosalie 15 mais carrossée par 6 cales. C'est la folie. Ici, on est sur une voiture qui est exceptionnelle. On parlait de carrosserie spéciale. Citroën a toujours été contre, en général, les carrosseries faites artisanalement parce qu'elles n'avaient pas la fiabilité de l'entreprise Citroën qui était un industriel. Donc, il était contre d'autres types de carrossiers qui ont exercé dans les mêmes années pour d'autres véhicules qui peuvent être de l'âge ou ailleurs. Et il y avait un carrossier qui s'appelait Magnusius et un autre carrossier qui s'appelait Sical, Société industrielle de carrosserie automobile de Levallois, qui exerçait sur Levallois, Magnusius sur Levallois, c'est-à-dire à côté des chaînes de Citroën. Le problème, c'est que dès qu'on va arriver en carrosserie spéciale, on revient à l'époque de la B10, à l'époque de la 5HP, carrosserie, le châssis, les châssis Citroën et le moteur, carrosserie Tôle-et-Bois. Citroën a dû se trouver dans une difficulté, se dire je fais la tout acier, je prouve ça, j'ai la performance technique, j'ai la maîtrise de l'outil industriel. Et tout d'un coup, je vends des châssis à des carrossiers qui ont 15 ans de retard. Alors, ça s'explique de deux façons. D'une part, on a tellement varié les menus des Rosalie qu'elles ont une très belle notoriété parce que c'est des voitures qui sont pour l'époque assez performantes et très très solides, et il fallait donner une gamme de luxe qui était déjà dans la gamme Citroën. Et puis pourquoi ne pas redonner encore un prestige avec des petits carrossiers qui ont carrossier à l'extérieur et qui ont fait aussi des voitures des Delage ou autres. Donc pourquoi pas. Et c'est du plus. Ah bah oui, comme les Rosalie vont pas se vendre aussi bien, c'est peut-être une façon de faire rentrer des créances. Cette voiture, il y a une côte d'amour, tu le sens, c'est que quand j'avais 40 ans de moins, j'ai écrit un fascicule de 227 pages sur les 78 variantes en Angleterre et en France, des 8, 10 légères, 10 normales, 15 légères et 15 normales. Essayer de faire un recensement dans 28 pays des carrosseries existantes, ça c'était en 1981. Et donc j'avais essayé de remettre tout ça au point. J'avais déjà à l'époque une 10 chevaux 6 cales, je trouvais ça beau. Et un jour je me suis dit, quand je serai vieux, si j'ai un peu de sous, je voudrais un 6 cylindres 6 cales. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 8 mois, je suis en communication avec quelqu'un qui vend un coach 6 cales. Je dis, je vais voir votre voiture. Nous sommes sur un coach décapotable. Donc, il y a eu des coachs. On va d'abord commencer par le plus simple, le coach. Déjà, on va être sur les 4 choix des coachs Citroën ou des coachs hors série. C'est deux portes. Qui soit en 10 chevaux ou en 15 chevaux ou en 8 chevaux. Deux portes avec vitres, tout à fait. Toit aussi, toit en dur ou... Dur et souple sur le dessus. Pourquoi deux portes aussi? C'est des portes très très larges, qui sont énormes. C'est très longues. Très très longues, ce qui veut dire que les glaces sont différentes, que les crémaillères de portes sont différentes, que les portes sont différentes. Alors, coach décapotable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ouvre ma porte ici, je vais monter ma crémaillère tout doucement. Je vais t'expliquer. Je monte la crémaillère, on entend le bruit. Ça veut dire que mon carreau, avec le montant du carreau, qui est en chrome, rentre à l'intérieur de la porte. Sur un coach normal, nous avons l'armature qui reste, l'armature, et le carreau, lui, peut descendre. Comme une voiture normale. Comme une voiture normale. Ça, c'est la beauté de ce modèle-là. C'est la folie. Mais voilà, on a une toile, c'est une toile très dure, avec une armature, avec des compas. Alors souvent, c'est des faux compas, mais là, ce sont des vrais compas. Donc les compas servent uniquement à accompagner le pliage. Alors, c'est verrouillé avec un verrouillage à gauche, un verrouillage à droite, avec une, deux, trois
pression qu'il faut enlever. Ça veut dire que quand on décapote, hein, pour un quart d'heure à plier la capote et tout, bon, il ne faudrait pas faire ça tous les 5 minutes. Elle est très très lourde, il faut être deux pour pouvoir ramener la capote sur la malle arrière. Mais une fois qu'on a ramené la capote sur la malle arrière, on n'ouvre pas la malle arrière. Celle-là est un modèle relativement rare parce que le coach décapotable 15 chevaux large, hein, j'étais 15 ans, est sorti, ça va de 12 à 16 exemplaires. Alors là, qui parle 12, 16, donc moi j'ai 12 à 16 pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Aujourd'hui, on est recensé deux dans celui-là. On a un tableau de bord qui est moins beau quand même, qui est Citroën, qui est moins beau que la B14, je le dis. Parce que pour moi c'est le plus beau le tableau de bord que j'avais fait voir il y a quelques mois, un tableau de bord mais qui est très bien fait puisque nous avons sur ce tableau de bord de forme rectangulaire, nous avons donc la jauge d'essence, nous avons l'ampèremètre, nous avons la vitesse allant de 0 à 120 km/h, nous avons la montre manuelle et bonjour. Nous avons bien sûr la pression d'huile, oléomètre. Bien sûr. Donc, je résume, sur toutes ces Rosalie, il y a 5 cadrans qui te permettent d'avoir le visuel de ta voiture. On a une planche de bord en deux parties qui est en genre merisier, qui est là, qui a été reverni. Et nous avons également les ceintures de porte en deux parties également de chaque côté qui ont été revernies. Sur les 10 larges et les 15 larges, les mâles sont extraordinaires. Alors, extraordinaires parce qu'il n'y a que 6 cales pour faire des folies, mais j'adore. Alors, on s'attendrait à voir une malle qui s'ouvre, comme les C4 ou les Rosalie, ce qu'on appelle la malle coquille. On ouvre et hop, on met les affaires dedans. Ah ben non, tout loupé. On tire. Il y a la roue de secours ici. C'est vrai qu'il y a un chrome. Alors, je tire. Alors, quand je tire, je lève. Et je maintiens. Et là, ma voiture mesure 1,20 m en plus. Parce qu'en fait, le coffre va en arrière. On tire dessus, alors, on l'amène en arrière. Tout ça, c'est du bois. Ça, c'est de la tôle. L'armature est en bois ici. Et donc, on a un vaste coffre. Ça, c'est typiquement stical. C'est typique dans les années 32-33, quand il y avait des belles cylindrées. C'est de se donner une allure sportive en baissant la hauteur, mais surtout en mettant un tout petit pare-brise, meurtrière, avec les carreaux, hein, qui sont des tout petits carreaux. Et pour lui donner ce look un peu sport avec la roue de secours à l'arrière, on a fait une malle qui n'est pas idiote parce qu'on a beaucoup de rangement pour l'époque. Par contre, la difficulté, c'est que quand on referme la malle, il faut avoir le bras gauche et le bras droit en équilibre. Il y a des charnières qui sont là. Et je prends la malle. Et voilà, il faut être en équilibre. De manière pas faussée. Et voilà, là ma malle est remise. On verrouille bien sûr de manière à ce que ça ne s'ouvre pas. Ça c'est typique de Cical. Donc non seulement elle est compliquée à enlever, mais en plus quand on est dedans, il n'y a pas énormément de profondeur. C'est pas mal quand même pour l'époque. Oui, non, bien sûr. Profondeur non. L'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir une malle coquille où tu cherches tes affaires en profondeur comme j'ai sur la B14, tu cherches toujours un truc, il est toujours au fond. Là, tu peux mettre toutes tes caisses c'est vrai que tout est dedans et tu retrouves. Parce que la malle est complètement retirée à l'arrière. Par contre, tu n'as pas intérêt à reculer, tu vois rien avec la malle ouverte, hein, parce que là, il n'y a plus rien. Le capot, c'est un monstre. On va le montrer. C'est phénoménal. Donc là, on va avoir la vue d'un 6 cylindres latéral. On a déjà allumage par bobine, on a un Delco, on a nos 6 bougies. On a une place pour bricoler par rapport aux voitures de maintenant. On a donc une dynamo. On a donc ici, comme sur la B14, la jauge d'huile donc, qui est ici. On a le démarreur. On a une direction qui est pratiquement celle de la B14 et de la C4. Hein. C'est loin d'être très très performant comme la traction. Alors, elle a quelque chose qui va étonner les gens, qui m'a beaucoup étonné, qui est d'origine en Angleterre, parce que ces voitures-là, Citroën, avaient des succursales en Angleterre et fabriquaient ces voitures en Angleterre à l'usine de Slough. Les Anglais, eux, toutes leurs voitures, Rosalie Berlin, avaient du cuir. Même du Berlin. Oui, c'est bien raffinement anglais. Ah oui, parce que si tu veux vendre en Angleterre, il faut du cuir et du Connolly. Donc là, le tarif était différent, mais c'était comme ça. Et elles avaient des roues à rayons. Toutes les Rosalie que j'ai vues, j'ai des photos, les Rosalie que j'avais dans mon bouquin et tout, qui sont anglaises, ont des roues à rayons. Cette voiture a des roues à rayons, elle est française. Ah, d'origine Citroën,
c'est les roues Rosalie. Maintenant, j'achète chez Sical ou chez Manosius, si je paye, je veux des options, et si je paye mes options, je les aurai. Moi, je pense que ce n'est pas le cas de Sical, mais je pense que, d'après ce que j'ai retrouvé, ces roues à rayons viennent de Rosalie anglaise, qui ont été, donc c'est tout à fait logique, hein, qui ont été mises sur une 15 chevaux, qui lui va très bien. Ça serait une 15 chevaux anglaise, elle aurait, de toute façon, où il faut, hein, elle aurait les roues à rayons. Voilà. Donc, c'est, je fais exprès de dire. Alors, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas plus risque que moi. Je suis en train de racheter 5 roues Citroën, hein, Rosalie. Je suis en train de les faire sabler. Je suis en train d'essayer de retrouver les caches. Parce que là, sur la roue à rayon, il n'y a pas de cache. Ah, tout est dans l'ensemble. Il faut que je retrouve les cabochons. Une fois que j'ai retrouvé les cabochons, il faut que je retrouve les enjoliveurs. Et je suis en train de racheter 5 roues Citroën pour la remettre en France, quoi, entre guillemets. Mais elle est très belle avec ses roues à rayons et ça lui va très bien. Nous avons bien compris qu'Eric était un puriste citroëniste, mais la rareté de son modèle lui a fait faire quelques concessions à la technologie. La visibilité est totalement nulle. J'ai fait rallonger un peu les rétroviseurs, on ne voit pratiquement rien. La lunette arrière est extraordinaire puisqu'elle doit faire 10 cm de hauteur sur 70 de long, si bien qu'on ne voit rien. Donc c'est un carreau qui est cousu à la capote. Ouais. Il est où le réservoir? Alors, il est à l'arrière. On a une pompe à essence. Et oui. Puisqu'on est à l'arrière, hein, on n'est plus en gravité. Plus de gravité. Ouais. Alors, il y a un petit détail que je voulais enlever, je le dis. Le gars avait monté une pompe électrique. Moi, je voulais l'enlever. Et Julien, le mécano, il me dit, attends, il démarre en quart de tour, parce qu'un 6 cylindres, il faut quand même le faire démarrer. Il y a une pompe électrique qui t'amène directement l'essence. Donc, on a caché la pompe électrique. Donc, on ne la voit pas, hein, je dis bien. Et finalement, on l'a gardée. Pourquoi? Parce qu'elle démarre au quart de tour et qu'avec une pompe à essence normale, le temps que l'essence vienne, tu tires sur ta batterie, tandis que là, ça démarre. Que ce qui me faisait affreux, c'est de voir une pompe électrique sur une voiture comme ça. Mais donc, surtout qu'on est en 6 volts. Alors, cette voiture, elles sont toutes en 6 volts, les Citroën, sauf les anglaises. Cette voiture a été montée à l'époque en 12 volts. Alors, à l'époque, c'est-à-dire quand il l'a refaite en 2000, elle était finie en 2012, elle d'accord. a été rachetée en 2015, en restauration. Et je peux te dire aujourd'hui que pour l'éclairage, parce que l'éclairage est une catastrophe, que la sécurité, parce que ça roule quand même à 90, peut-être 110, c'est pas rêvé, que c'est bien d'avoir du 12 volts. Oui, donc on est en 12, on est d'accord. On est en 12, parce que vu qui n'est pas d'origine. Alors pourquoi aussi le 12 volts va avoir un intérêt? On n'a aucune visibilité. Même sur la route, tu ne vois qu'un phare, tellement le capot est long. Et à l'arrière, il y a 1,50 m de débattement à peu près entre la cape. Oui, il y a 1,40 m, 1,50 m, tu ne vois rien. Donc mets-toi à la place dans un rallye autour de Bretagne. Tout le monde recule, tout le monde avance, patatrac, boum, plus de bagnole. Surtout que ces voitures-là, une fois que tu l'enfonces, ça doit coûter cher à réparer. Donc, je le dis, il va y avoir deux petites micro caméras à l'arrière qui vont être planquées, qui vont passer dans la malle, de manière à avoir un bip-bip quand je vais près de la route de secours et à l'avant. Pourquoi? Parce qu'avec 4,95 m de long, sur une voiture où la visibilité est totalement nulle, prendre un risque de bousiller une voiture dont il reste deux exemplaires... La traction a succédé à la Rosalie, c'est un fait. Mais la fabrication de la Rosalie ne s'est pas arrêtée pour autant. Eric nous explique cela plus en détail. Citroën sont aperçus encore que nous sommes dans une période d'avant-guerre et qu'avant-guerre, les gens n'évoluent pas aussi vite que maintenant. Et que de partir d'une caisse carrée qui est ici, d'une Rosalie ou d'une B14 ou d'une C4, arriver dans une voiture qui n'a plus rien à voir avec le concept automobile de l'époque. Ça n'a plus rien à voir. Il y a des gens qui étaient récalcitrants. Qu'est-ce qu'a fait Citroën? Il a gardé ses anciennes carrosseries de Rosalie avec un moteur de traction avant, 7 ou 11, qu'on appelait UA, 7 UA ou 11 UA, c'est-à-dire qu'on a la traction arrière, tout le phénomène de la caisse carrée, du châssis, mais on a mis un moteur de traction, ce qui est complètement, aujourd'hui, anachronique. Ce qui était logique à l'époque, c'est essayer de se dire, le moteur de la traction est fiable, maintenant, elle est au point, c'est une voiture géniale, mais il y a des gens... Il fallait monter en voiture. On ne passe pas de la diligence à la voiture. Et ben, c'est une ancienne diligence avec un moteur. On leur met un moteur performant. On garde la diligence pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de la traction. Et donc, jusque 38, hein, ça c'est sûr, on a continué à faire en même temps que la traction, ce qui coûtait cher, hein,
des 7 UA, des 11 UA, des moteurs de 7 ou des moteurs de 11, sur des carrosseries à traction arrière, à châssis, ce qui aujourd'hui paraît aberrant. Complètement. Qui, à l'époque, était intelligent. Il fallait redonner envie ou donner envie progressivement de vouloir acheter une traction pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Nous voilà rendus à la fin de la deuxième partie de cet épisode consacré à la Rosalie. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la traction. Tout le monde, y compris ceux qui ne connaissent pas bien Citroën, connaissent au moins ce modèle de nom. Eric va une nouvelle fois nous en dire un peu plus et nous transmettre sa passion. Si vous voulez en savoir plus sur l'association dont Eric Godefroy est le président, vous pouvez aller sur leur site www.lesvieuxduvolant.fr. A très bientôt. Vous aimez cette production ? Donnez votre avis sur dvrgv.org.